Bonjour à tous, on se retrouve sur Imor pour continuer notre petite aventure avec la colonie de Batna. Et nos petits copains, moi, qui se portent pas trop mal pour le moment, ça va. Ça gère. Bonne chose à dire. Voilà le nombre de rations. Au niveau ration, on est bien, on a un peu de tout, la gastronomie, de la raffinée, du truc de base. Au foin, on est plutôt pas mal là pour passer l'hiver. J'ai encore beaucoup d'animaux. Mais là, on a des animaux essentiels. Alors, même si d'un long, je me. Ah non, c'est pas stérilisation qu'on veut, c'est. Carrément s'en débarrasser. Il y en a marre des lindons. Ça sert à rien. Ça fait des œufs, mais on s'en fout un peu. Apparemment, j'en ai pas plus besoin que ça. Alors, ça m'intéresse. Inspiration dressage, monsieur Velasquez. Ça c'est énormément. Qu'est-ce qui traîne? On se fait un stand, un petit mégatherium s'il a le niveau. Ça serait plutôt cool, non, mégatherium. Hop. Et t'iras dormir plus tard. Ah, animal endormi. D'accord, c'est embêtant. On lui dort aussi en même temps. Elle m'a plus endormi, désolé, tu te lèves. Content, pas content, c'est pareil. Va tenter d'apprivoiser. Normalement, c'est bon avec le truc. Devrait le faire avec sa horde de Woodwork. Et hop, un Megatherium, un. Et ça se dresse pas mal, mais ça peut même faire du transport. Intéressant. Vaisseau exotique, on l'avait pas fait, ça vient d'arriver, ça vient de pop. Hein. Ils ont plus le dressage, c'est ça? Ah ouais. Ils ont perdu en dressage, hein, nos rhinocéros, donc du coup on peut plus les contrôler. C'est génial ça. C'est magnifique. Alors, Jimmer, c'est toi qui va les causer. C'est pas celui qu'on avait déjà, on l'avait déjà vu, celui-là. Quoique, non, il y a des composants achetés encore. Qu'est-ce que j'ai à lui vendre, moi? Pas grand-chose, par les animaux. La limite. Non, ça va gérer, de toute façon, il va y avoir de l'abattage comme sur la butte. Non, mais j'ai rien en fait là. Non, mais je crois que lui, on lui avait déjà causé, hein, donc. Donc là c'est bien, ça ferme le métal. Hein. On est où là, le métal? Alors c'est 300 par case, hein, c'est pas 300 en tout. Hein. Heureusement, parce que sinon ça va pas chercher très loin quand même. Hein. Ah, les cultures, ça y va. La dernière fois, on avait fait un peu d'hydroponique, j'ai dû surtout vous montrer un peu. On avait fait notre champ Diablo qui est à 46%, hein, donc c'est très très bon, comme je l'expliquais. Il faudra maintenir la température là-dedans quand l'hiver va arriver. On a encore des baby work qui arrivent. Petit peu de chasse. C'est un boomalope, le work on va le laisser en paix. Non, sans déconner, il a fait qu'il se rebelle.
Boum. Bon, bah, ça ne rebellera plus du coup. Vive le fusil d'assaut. Même non, c'est plutôt Velasquez qui est censé chasser, mais le problème c'est qu'il a tellement de boulot aussi avec le dressage. C'est bien que tu prennes pas le feu, quoi, tant qu'à faire. Là, nous avons vrai. Et le Mégatherium. 300 de laine, donc la laine de Mégatherium est vachement bien aussi. Fabriquer le manteau. Là, on est plutôt sur de la fibre et cuir. Et pour la parka, là, on avait mis la laine. On avait retiré le tissu, le synthé. Le cuir, je vais le retirer aussi. Les différents types de laine. Diabétof, hyperfibre. Les trucs renforcés. Parka, c'est pour le froid. Le manteau, c'est pour plutôt pour l'été. Rayon du soleil et les vents chargés de poussière. Bon, après, maintenant, ils ont des vestes blindées, donc plutôt des vestes blindées quand même. À choisir. Améliorer leur défense. Alors, j'avais dit que je ferais bien une caisse exprès, là, pour l'argent, tout simplement. Et on se fait beaucoup d'argent qui traîne. Et ça prend de la place. Donc, on va faire une petite étagère juste pour le pognon. Hop. Une petite étagère à côté pour mettre d'autres trucs, on verra. Alors ici, paramétrons ça, tout effacé. Hop, hop, hop. Et les sioux, c'est où les sioux? C'est de quoi? Non, manufacturé, non. Ressources brutes. Ressources brutes. Priorité critique, hein, s'il te plaît. La cam, est-ce que j'ai vraiment besoin de la mettre au frigo? Est-ce que ça a congelé pour une si ça pourrait quand même. Ah putain, je vais mettre le deuxième hein, pour les sous. On va mettre lien. Voilà, comme ça, ils mettront aussi le sous là. Ça va dégager les places encore. Pardon, on va demander un autre boomelope. Saleté animale. Ouais, monsieur Rino. Monsieur Rino, ouais, zone chasse. Ah non, monsieur Rino, t'as rien à faire là, non, bien. Même si t'as le droit de suivre ton maître, d'ailleurs, normalement, t'es plus dressé, donc. T'as rien à faire là, monsieur Rino. Alors, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus strict hein, et retirer le mur de la zone. Peut-être bien. Hop. Voilà. Toi, tu vis ta life, hein? Et même quand même qu'on tenait dans une certaine zone. Elle est censée venir salir tout l'intérieur. Bon bah quand ils auront envie de ranger. Faut qu'on continue à chasser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pris la foudre. Attends, attends, mets-moi sur le monsieur s'il te plaît, le jeu. C'est quoi ce bug là? Ah oui, non, c'est ça le bug. Il a pris la foudre, il est en feu. Carrément. Est-ce que tu vas réussir à gérer là? Ouais. Il va te faire soigner, s'il te plaît. Ah, ils ont ces cons là, ils vont aller chercher les vêtements d'hiver, c'est ça?
Ils ont plus leurs vêtements de. Les parkas en fourrure. Ah, là. Sur la bagarre, vous mettez des parkas quand il va y avoir la bagarre, vous. Alors, il va falloir qu'on voit une règle. Une règle à l'emploi de vêtements, là, parce que ça me plaît pas du tout. J'ai jamais fait sur les morts, tiens, des trucs de règles de tenue. Une nouvelle tenue. Alors, tout effacé. Bah, de toute façon, ils n'y mettront pas les vieux codés, donc c'est débile, je pense qu'ils ne veulent pas les mettre de base. Ah. Pour essayer, on verra bien. Autoriser les recyclables et non recyclables. C'est ça. Les incinérables. Ouais. Vous allez me choisir tout ce qui est armure, voilà, de manière générale. Les artefacts, non. Et divers, c'est quoi? Bon, les chemises, oui. Les pantalons. J'ai pas encore de pantalon renforcé pour tout le monde, donc on va dire oui. Couvre-chef. Les casques, hein, commando. Hein. Casque, armure, manière générale. Voilà. Ah, je préférais qu'il se consacre à avoir un stuff de résistance. Et les gilets pare-balles. Et c'est dans la même case. Ok, bah écoute, ça me va. C'est quoi la tenue 5? Quoi, tenue 5? Une tenue qu'on va supprimer, tout simplement. Tenue 6 pour tout le monde. Pourquoi c'est la tenue 6? Bon, c'est pas grave. T'as quand même le truc soldat. Et ça dit quoi le truc soldat? Attends. La tenue soldat, ça dit quoi? Bon, en gros, c'est plus ou moins le paramétrage que j'ai fait, quoi. Pantalon, parka, t-shirt. Ouais, sauf qu'ils rajoutent les parkas, ça m'embête un peu parce que les parkas, c'est pas par-dessus la veste commando. Je suis pas sûr de ça. Choisir tenue 5, supprimer tenue. Mais oh, ça passe par là, ok. Non, moi je pense plutôt à ce que je voulais, la tenue 6 là. Voilà. Allez vous changer. S'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mettez-moi des vestes. Important, c'est la défense. Vasquez, il a pas trouvé de. Ah bah si quand même. Voilà, tout s'arrange. Et bon, il faut des pantalons renforcés. On a du fer, on a des. Tiens, ça, hop. On a normalement des composants aussi. Donc il n'y a plus qu'à crafter. Hein. On a aussi du tissu normalement. Ah non, on n'a plus de tissu. Par vite le tissu. Ouais, presque agrandir le champ de tissu, mais c'est un peu tard. Bon, pour la saison prochaine à la limite. Jusqu'à là. Y aller, là, il y a le mur, normalement, ça craint pas grand-chose. Hein. Alors, deuxième boom à lave, comme ça va augmenter notre production de champioule pour pouvoir faire les obus. Combien d'obus, là? 14, on en refait un petit peu. Extérieur 13, c'est quoi la vie? Je crois que c'est 0 jusqu'à 0, je crois. Je vais mettre le chauffage quand même tout de suite. Mettons le chauffage. 300, 100%, ouais, mais bon.
pas se faire surprendre par le froid et que j'oublie. Mets ton chauffage là-dedans. Peste animale, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il fait bon, il fait 21 dehors. Systématiquement, il se rebelle, le bordel. Hein. Chien, oh, puis voilà, dégage, 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 les autres, ils sont sur ton cul aussi. Mobilisons-nous, hop. Tac. Viens l'aider. Quand je te dis de bouger ton pion, tu le bouges? Et t'arrêtes de tirer? Parce que là, ils sont tous, t'as réussi en butin, mais il y en a deux autres qui arrivent. Donc, c'est le top là. Allez, boum! Boum! Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hop là! Et s'il pleut, ça va éteindre le feu, nickel. Il y a du but mal aussi à chasser. Quel bon but! J'ai mis chalou, pardon. Vous voulez pas le finir celui-là? Et de la viande. Non, tu peux pas démonter les vêtements avec ça. C'est d'ailleurs un peu dommage sur. C'est ça qui est bien sur Going Medieval, c'est que dans tous les ateliers, tu peux démonter les trucs. Mais étant systématiquement, c'est le problème du fusil d'assaut. Le fusil d'assaut, la portée est trop faible. Et du coup, les trucs se rebellent très facilement. Mais heureusement, il est puissant. Et on en revient toujours que les chances que le truc se rebelle sont augmentées par rapport à la distance de tir. Et le fusil d'assaut n'a pas une très grosse distance de tir. Mais bon, on a le fusil d'assaut, on les utilise. Allez, finis-le. Oh! Il était là, t'as tiré là, gros! C'est quoi cette escroquerie là, ce tir? Hein, bon, tu devrais l'avoir au contact maintenant. Vas-y, stun-le, voilà. T'exagères quand même. Hein. Vas-y, soigne-toi. Il l'a fini. Un petit peu abusé là, quand même, son tir. Il a besoin de s'entraîner, donc il tient, c'est tout. Et Askez, il fait quoi, là? Il pionce. Ah, il a 50% de mouvement, hein? Ah ouais, faut qu'on lui mette une prothèse à la jambe gauche. Qu'est-ce que j'en ai? La jambe gauche, là, est naze. Ah, pour la chasse, pas pratique, et même pour tout le reste. Alors, opération... Jambe gauche, normalement j'en avoir une. Prothèse, 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 prothèse. Ah, j'en ai plus. J'ai pas de jambe gauche en prothèse. Eh bah, on va de jambes tout simplement. Il me semblait que j'en avais redemandé une, mais pas mon nom.
Ah bah faites-moi ça, puis on changera sa jambe. Je pourrais presque débloquer les bioniques, mais bon. Est-ce qu'on peut? Ouais, un peu, il y a des prouesses bioniques. 2000 points à l'occasion, limite. Prothèse classique, ça fera déjà bien le taf. Ça leur mettra comme neuf. Ils veulent pas ranger. Pourquoi ils veulent pas ranger les sous là? On est en critique. C'est coché, c'est même pas un métrage qu'à côté, sauf que là, ils veulent pas. Pourquoi? On a une demande supérieure, on est importante, on est critique. Pourquoi ils veulent pas le stocker alors qu'ils ont stocké dans celui-là? Le même paramétrage, exactement. Je ne sais pas. Bien rangé. Bon, ils vont se taper les pieds, je pense. Clac, un moins, est-ce qu'il y en a d'autres? Couillouille, non. Si. Mais c'était géré par les pièges. Bon, on a refait du métal. Et combien là-dedans? 21, c'est ok. 56%. Peut-être allumer un peu les chauffages, du coup, commence à faire un petit peu frais, fermer les clims. Tac. On ouvre ces deux-là, celle du frigo, évidemment. Et les chauffages. Toc. Toc. Voilà. Enfin bon, ça a commencé à couiner parce qu'il fait froid. Elle est pas mal, notre petite baraque, quand même. Alors là, établit l'assemblage de composants. Qu'est-ce qu'on débloque du coup? Fabrication avancée, débrouiller composants avancés. Salut MLK, bienvenue à toi. T'as tir chargé qui peut être sympa pour avoir les meilleures armes. L'armure de reconnaissance aussi. Très cher à faire, mais. La tourelle de précision. Peut-être commencer par la tourelle de précision. On verra bien. Eh ben écoute, ça va bien. On s'amuse bien sur Rimworld. Pour le moment, là, aujourd'hui, c'est calme. Elle ne va pas durer pour le moment. Alors, l'atelier de fabrication. Ah, il est super beau, l'atelier de fabrication. Bah, je vais le mettre dans la zone hydroponique. De toute façon, j'avais juste fait histoire d'eux comme ça.
C'était plus pour montrer qu'autre chose. Puis si vraiment il y avait une pluie acide, là je boosterais d'autres trucs. On en rajouterait. C'est pas le cas pour le moment, donc c'est pas indispensable. Alors la petite chaise qui va bien. Hop, et on peut maintenant fabriquer du composant. Et on va dire qu'on est toujours un bon petit paquet, quoi. Pas autant, mais... Hop, voilà, ça fait toujours une soixantaine. Donc là, ils vont juste utiliser du métal pour fabriquer les composants. Donc les composants, c'est plus vraiment un problème tant qu'on a du métal. Enfin, de l'acier. Ici, il faudrait peut-être que j'en fasse plus de stockage. Je peux peut-être déplacer ça par contre. Voilà. Il reste encore des trucs là? Oui, il en reste encore. On va laisser finir son métal. Ah bah ils sont enfin décidés à déménager le pognon. Ah par contre, il faut mettre une petite lumière quand même. Attends. Hop. Donc ils ont allumé le chauffage, ça c'est cool. On a encore trop de pognon, je peux en faire un deuxième. Un troisième. Bon, là, on commence à avoir un peu tous les ateliers du jeu. Enfin, sur le vanille. Le petit chaman, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il a des copains? Ouais, des copains. Caravane. On va les laisser finir leur nuit gentiment. C'est marrant, il n'y a qu'un couple. Du coup, j'ai oublié d'avoir plein de chambres. Alors, j'y meurs. Ah bah, c'est bon, va causer. Alors, pour le moment, on a encore des animaux. Et bon, avec l'arrêt d'abattage, on fera de la viande, donc on peut les garder malgré tout. Surtout que j'ai un peu de foin, c'est quand même là. Même si ça fait du monde. Ils ont quoi à vendre? Des herbes médicinales, ouais, j'en ai, puis je peux faire les médocs. Du plastacier, est-ce qu'on leur achèterait du plastacier? On peut toujours, parce qu'on ne sait pas si on va trouver dans la zone. Ah, la prothèse de jambe est faite, on va pouvoir lui changer sa jambe à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur acheter? Bah rien, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On leur refile... Tiens, la jument, là, celle-là. Hop. Au niveau des mufalos. Bon, elle est encore un peu jeune, mais bon, 157 quand même. Ouais. Bon, après, je peux vendre des poulains, j'ai plein en fait. Tous les mâles, ils ont passé à la casserole, donc. Ouais. C'est parti. La limite, c'est vrai, on a récupéré du tissu ou pas là? On a récupéré du tissu, donc ils peuvent nous faire les pantalons. Donc on va
problème, c'est que c'est Velasquez. Il a beaucoup de travail avec les dressages de Velasquez. Tarex, qui fait le couturier, artisan, constructeur, dresseur. Fait beaucoup de trucs aussi comme Velasquez. Il fait le même truc que Velasquez. Ah, un petit raid, les Mika. Donc là, il y a un petit groupe qui arrive ici. Un petit groupe là-haut. Ok. Ils vont assez vite. Ils vont se bouffer en haut la caravane. Ok. Oula, ils attaquent direct ou bien? Non, c'est qu'ils bougent, c'est tout. Attends. Non, 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 non. Alors, par contre, toi, non, tu vas pas commencer avec tes conneries de faire shooter là-haut. Ils ont le don pour vouloir toujours aller à l'endroit où il y a où c'est dangereux, hein, parce qu'en plus c'est que des lanciers. Et un faucheur quand même. Ils ont le don, hein. C'est. Écoute, bah non. On annule tout ça, on va en mettre un peu là, on mettra ici, je vais répartir. Hop, l'autre moitié là. C'est fou ça, hein. Le don qu'ils ont pour aller se foutre dans la merde. Hein. Qu'ils traînent de trop attaquer par contre parce qu'autrement ils vont se démobiliser tout seul. Ça y est, ça attaque. Mais bon, ça a morflé là-haut. Ah oui, alors par contre j'ai oublié un petit truc. Le bébé d'un rhino. Dans la base, hein, les bébés rhino, s'il vous plaît. Ne faites pas le poil, hein, même les bébés warg. Chiowarg. Base. Bon. Il va y passer bébé Rhino. 50 à lui tirer dessus. Alors on va voir le bébé Rhino. C'est un problème, j'ai perdu le dressage de mes rhinos adultes. C'est très embêtant. On peut pas les utiliser au combat, c'est un souci, il va falloir les redresser. Du coup, rester plutôt dans la base. Le méga time, il n'est pas dressé encore non plus au combat. Bon, ici, ça bouffe du piège. Voilà. Ils ripostent quand même quand ils sont attaqués. Mais ça frite. Hein. Alors, ça fait perdre de la réputation, je crois, par contre, avec la caravane hein, qui se fait attaquer, hein, vu que c'est sur notre territoire. Chez les wargs. Bon, ils jouent avec les autres là-haut et en bas, ça dit quoi? Il y a le gros qui arrive. Oh bah lui, il est tombé dans le piège, c'est fini. Il reste juste lui qui est en train de finir le mec de la caravane. On va l'aider. Ah, surtout que là, il est en train de tirer sur mon mégata. Ah, mais non, il en reste encore un là. Attends, en bas, venez aider en haut limite.
Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tout le contact. Ah, il chasse le petit warg. Ça y est, c'est fini. Ce coup-ci, c'est bon. Toc, toc. Ok. Allez, vous soignez. Personne n'est blessé, à part les animaux. Bon, ça ira. Bon, on a perdu un bébé. Ah, il est pas encore. Il est pas encore mort, hein. On sait Rebelle va venir le soigner si il traîne pas trop. Baby War, par contre, je sais pas où. Ok, bon bah désolé, ils ont pris cher, ils étaient là au mauvais moment. Pas de bol pour eux. Bon, très bien pu s'en sortir sans eux. Mais... Ribel, t'es censé transporter bébé rhinocéros 2. Bah ouais, mais bouge-toi un peu, gros. Là, il a le temps de nourrir 10 fois, hein, tu bouges. Hein. Bah oui. T'as un peu mou du genou quand même. Alors, du coup, je peux retirer les restrictions. Hop. On n'aura plus qu'à démonter tout ça. Et reconstruire les pièges. Bois, on va annuler, parce qu'on essaie de les passer en fer tous. Hop. Ok. Et ici, on annule. On duplique. Voilà. Il survit le lynx, il sert à rien, il se fait tuer par personne. Magnifique. Et j'ai pas encore trouvé vraiment à le vendre. Pourtant, ça sert à rien. Ça se dresse pas. Messieurs là-dessus. Il y a un nouveau loup. Ouais, j'en ai plein des loups. Enfin, des loups, non, non, des loups, j'ai pas plein, j'ai plein de wargs. Les loups, non. J'ai une femelle, mais c'est encore une femelle l'autre loup. Il faudrait un... Attends, celui-là, c'est quoi? C'est que deux femelles. C'est encore une femelle. C'est un mâle, genre une femme aussi, mais bon. Un peu con toi, hein. Ça va bien de te prendre un piège. Hein. 10 heures en plus, hein. Attends, 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 attends. T'es gentil, tu vas te faire soigner. T'es en train de t'évider de ton sang.
Rebelle, lève-toi, je vais te soigner. Hein, ça pique, hein, les pièges en fer, hein. Ok. On a quand même 3 comme ça, plus les deux panneaux solaires, donc quand même ce qu'il faut en jus. Il y en a même encore un là si on veut. Bon, au niveau géothermal, on est plutôt pas mal. Donc là, qui a du fer là, avec les pièges en fer, ça, les pièges en fer, ça coûte énormément de ressources à refaire, c'est le souci. C'est efficace, mais ça prend trop de ressources. Marbre, marbre. Bon, non, mais à chaque fois qu'il chasse l'autre, chien, à chaque fois, ça se rebelle. Hein. On est fort, c'est quand même. C'est pas comme si t'étais à bout portant en plus, c'est un fusil d'assaut, je suis d'accord, c'est pas le mieux pour chasser, mais quand même. Mais là, à chaque fois que tu tires sur quelque chose, que le truc il se rebelle, d'exagération quand même. Il va falloir que je te file le fusil de. Le fusil de. La lunette de. Velasquez, je crois. Hein. Ça, hein, vu que c'est Velasquez ne chasse pas, il a trop de boulot à faire. Kien vient chercher le fusil de précision. Ah, il était loin, c'est bon. Voilà. Et Velasquez vient reprendre le fusil d'assaut. D'ailleurs, Velasquez, il faut qu'on lui. Bah, sa prothèse maintenant. C'était ça maintenant qu'on en a refait une. Santé. Jambe gauche. On vérifie bien. Jambe gauche, opération. Jambe gauche. Voilà. Et c'est Ribel qui doit faire ça normalement. Tu viens pas de pioter, bah si quand même. Et Ribel vient opérer. Attends, attends, attends. Comment ça réservé par Sissi? Mais c'est pas elle la soigneuse, elle a pas réservé quoi. Elle est 7, elle est moins bien. Ah non, si, c'est pas toi qui fais le taf. C'est Ribel, hein. S'il te plaît. En plus, t'es blessé. Pas une bonne idée de faire du boulot de précision alors que t'es blessé. Voilà, petite prothèse de jambe maintenant. Faut que les sédatifs se dissipe et ça sera ok. Petit groupe de voyageurs, pas de point d'interrogation, donc pas de business avec eux. Biche, boutin, dinde. On est prêt sur une deuxième foreuse, là tout de suite, métal.
Là-bas, on n'est pas très, on est juste à côté du truc. Ça peut être pratique. Tac. Tac. Comme ça. Il fait 21 degrés, ça va. Moins 3 dehors. Heureusement qu'il y a chauffage. Maker, mettre dans le machin là, vous en avez un. Générateur de tornade. 10 tourelles, un mortier, deux pirates. Mouais. Ah, et dans les champs, c'est pas de bol. Hein. Bon, après, on n'aura plus trop de récolte, hein, je pense. Un peu tard maintenant. 61%, ça va geler. On n'a pas tant de ressources finalement que ça en stock, parce que quand même, comme ça avait gelé là au printemps, on a perdu du temps sur la récolte. Bon, sur mon bois, ça bouffe un peu quand même. On pourrait presque agrandir la zone de chasse avec les wards qu'on a, tout ça. Zone. Étant de zone autorisée chasse. Ça s'y trouve des bestioles. Hop. Ils ont pas encore déménagé. Ouais. On a combien de sous? 9878. Ouais, c'est mon truc, je dépense jamais l'argent. Je le stocke. De temps en temps, j'achète une connerie, mais la plupart du temps, je revends tellement de trucs à côté qu'ils mangent toujours positif. Nudité malheureuse, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça y est, ils ont fini, on va se faire un petit siège quand même. Hop, on a directement été raccordé à l'électricité, donc c'est good. Avec tous les wargs qu'on a, les loups, les machins, la viande part très vite en fait. Hein. On a du stock quand même, mais en gastronomique, plus grand chose au final. Peut-être du coup faire en dupliquer quelques-unes. On les laissera en riz. Hein. Le riz, c'est très bien.
Y a pas de jus ici, j'ai pas raccordé correctement ici, j'ai l'impression. Si, j'ai raccordé. J'ai l'impression que c'est éteint pourtant, mais non. Théorie de la précision, c'est ok. Personnellement, il faudra qu'on le fasse, émetteur du signaux, ouais. Je ferais bien les armures. Ça nous fera un petit appoint, notamment d'hiver. 17, ça va. Pour presque rajouter un chauffage quand même. Dupliquer, on met là. Ouais, t'en es où là? Il reste encore. Si, ça peut encore écouter tout ça. Douglas précis, mais il fait aussi du dressage, Douglas. Ouais, mettons mon 2 à la limite. Parce qu'ils ont pas grand chose à faire, ils peuvent toujours aller faire ça, voilà, comme ça. Et on peut ouvrir peut-être pour l'hiver. Oh, je suis pas sûr, on verra. S'ils ont froid, vraiment, vous voyez. Mais généralement ça passe, ils ont pas froid. Ça, ils sont redressés. Les gars terminent de dresser, et là on a Rhinoceros qui est dressé juvénile, alors que les parents ne sont pas dressés. Alors bossez un peu mieux, les gars. Alors, on va peut-être commencer à leur donner un peu de bouffée en sept-octobre. Ouais, sinon on va quand même autoriser. Mettre un peu de foin là-dedans quand même. Nourriture animale. Il reste encore un peu de pissenlit, mais bon, ça commence à avoir un peu faim, des boumelopes surtout. J'ai peut-être quand même commencé à procéder un peu à la bataille pour pas me retrouver comme à chaque fois un peu embêté. Même s'ils sont pas adultes, tant pis. Ouais, ils sont toutes gestantes, le bordel. Les jeunes mâles. Alors ça m'embête là, par contre, on va passer plutôt par ici, je pense. Va garder les trois femelles, à la limite, je vais battre les petits. Ça dégagera ça déjà.
On aurait pu faire l'inverse, buter les adultes. On fait plus de viande, machin. Le voir, il vient directement se servir sur la bête. Hein. Enfin, ils ont faim, ils ont faim. On n'a même pas eu le temps de les dépouiller, quoi. On va peut-être aller chasser du gros. Mais par contre, on va y aller en groupe. On va se faire le rhino qui est tout seul là. Avec les wargs et tout. Donc ça c'est fait. Et bon déjà, hop, vous pouvez le ramener. Non. Tiens, va ramener. Ah, non, Riro, il vient de récupérer, ok. Oh, t'as mis 3 plombs pour venir. Il y a tout un tas de boomalops qu'on pourrait buter. Hop. Et les autres gros trucs se sont barrés. Bah si, il y a Militarium. À la limite, on pourrait buter la louve, la serre. On peut tout buter. Faire le stock de viande. Et donc, un petit peu de temps. La 4100. Voilà. Même avec un fusil de précision, t'arrives à trouver le moyen de... Bon après, il n'a pas shooté... Tire à côté. Oh. Pitié! Mais t'es mauvais, putain! C'est pas possible, comment il est mauvais! Viens l'aider, mon Dieu. Il va se faire tuer, il est capable de se faire tuer par le loup. Hein. Non, il a réussi à gérer tout ça, putain. T'es pas un crack, toi, hein, en chasse, quand même, hein. L'autre s'est relevé pour le soigner. T'as pas fini de soigner toi encore, plus le temps. Griffure, écureuil, lynx. Et là, c'est rhinocéros. Alors, tu nous coupes du bois, mais est-ce que vous avez récupéré le cacao? Là, il nous a coupé des pieds de cacao. Est-ce qu'ils l'ont récupéré pour faire du chocolat? C'est la vraie question. D'ailleurs, ça se met où une commande spéciale, le chocolat? Non. Non. Ah, qu'on voit. Et je pense qu'on va aller à la chasse au... au Mégatherium. Il y en a qui...
Quelqu'un qui m'a chassé. Mais reviens, Sissi. Reviens. Voilà, quand même. Fini celui-là déjà. Un gros et tout. Voilà, hop là. Là-dessus, il y a de la viande, hein, sur une grosse bête comme ça. T'as le box qui vient se servir, le truc qui sert à rien, qui est bouffe comme pas possible. Voilà, dépouillez-le-moi, s'il vous plaît. Et du coup, la fourrure épaisse de Mégatherium. Puis épais recouvert d'une couche épaisse de fourrure robuste, récupérée d'un gros animal robuste, cette peau épaisse isole et protège très bien. Perforation 124, armure choc 24, ignifugation. Protection contre les brûlures 150%. 330. Chaleur 14. Pas très bien. Problème de Mégatherium. Bon, même si là, je les équipe plutôt avec des tenues de combat. Il peut faire des vêtements, Mégatherium, quand même. D'ailleurs, ils peuvent tout bijou nous faire des pantalons, des t-shirts. Il y a des tissus pour les tenues de commando. On est sur l'armure de reconnaissance. Mais c'est plutôt l'armure de commando qui est intéressante. Ça, c'est le nôtre, on va vite tirer dessus. Une petite récolte de patates quand même, avant l'hiver. Ça gère, hein, fait moins 6 déjà. Ici, on a 74. Un avant-poste. C'est quoi ce coup-ci? Focalisateur d'énergie orbitale. C'est quoi ce truc-là? Un ancien dispositif de visée d'un réseau de satellites collecteurs d'énergie. Une fois la cible désignée, il contrôle les anciens satellites pour qu'ils déchargent l'énergie appuyée dans une colossale colonne d'énergie, machin. Ok. Ça, on a vu ça tire qu'une fois. Ça commence à geler. Artefact de folie. Casque de commando. Bon, c'est pas mal. Putain, alors, 213 places d'acier. C'est intéressant. Il y a 8 indigènes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pour un casque de commando ou blast acier? J'ai plutôt envie de faire vos blast acier. J'espère que c'est pas trop loin parce que c'est l'hiver quand même. Avant que tout gèle, est-ce qu'il reste des trucs à récolter là-dedans? Ouais. Récolter ça avant que ça gèle. C'est pas à côté, hein. Les pirates et les ours sombres sont arrivés à proximité et il y a la sœur du colon Velasquez. Les gars, elles sont chez sa sœur. Hein. Il y a du monde, c'est quoi? Du fusil. Oh, il y a du casque de commando de reconnaissance. Il y a des fusils à pompe auto. Oh, il y a du matos là. Hein. Il y a du matos, il y a du matos. Alors, du coup, c'est pas le moment d'envoyer qu'en expédition. Un groupe là, est-ce qu'il y a un autre groupe ailleurs? Non, donc a priori par en bas, non? Je pense qu'on va déjà mobiliser les copains. Hop, ici. Hop. Et vous?
Alors, tous les animaux sont du même côté. En même temps, ils sont tous gérés par Velasquez, donc c'est normal. Et puis, de toute façon, qu'il y a des niveaux pour les gérer, donc... Alors, je pourrais essayer de balancer un coup de mortier dedans, mais autant économiser nos mortiers. Allez, un peu, ils vont se répartir des deux côtés. Ouais, mais non, il y avait deux groupes, il y avait bien deux groupes. Mais je n'avais pas vu le groupe du bas. Pourquoi tu rentres pas? Je te mets une zone base et tu rentres pas. Je te dis de rentrer dans la base, mais non. Trouver le moyen, bon voilà. Allez, un loup en moins. Le loup, on n'a pas de bol, ça c'est parti avec les loups. Chewag. Et finalement, de l'autre côté, il n'y a pas grand monde qui y va. On va se bouffer de l'urette, principalement de ce côté-ci. Bon, ça tombe. Hein. Ah, peut-être qu'on va réussir enfin à se débarrasser du lynx, qui sert à rien. Alors, du coup, il se bat un peu, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Et ils font demi-tour, on sait pas trop ce qu'ils font, certains. Et quoi, c'est trop dur de ce côté-là, on change de l'autre. Ah, ça fuit, mais eux, ils sont pas encore en fuite, hein. Ils sont rouges, normalement, c'est qu'ils sont pas en fuite. Hein. Mais ils fuient quand même. Alors, on peut faire du prisonnier. Faisons du prisonnier, ouais, on verra bien. Ça, on le vendra. Capturer Cody. Le seul qu'on peut capturer. Bon, on a perdu un bébé Warg, un loup. Bon, c'est parce qu'ils sont cons, tout simplement. On leur dit de le mettre dans la zone base. Ils veulent pas. Eh ben, c'est la sélection naturelle, non? Et là où finalement il n'y a rien eu, ils sont même pas arrivés. Il y a eu du matos là quand même. Ils l'ont soigné ou pas? Oui, soigné. Et une jambe bionique, dis donc. Alors, si on pourra pas le. D'accord, ben on va le libérer. On pourra pas le recruter dans tous les cas. Ou bon, même si j'avais dit qu'on arrêtait de recruter. On pourrait l'exécuter, mais ils vont faire la gueule, je crois. Oh, on peut faire du vilain. On peut faire du vilain. Oh ouais, on peut faire du vilain. On va le faire juste pour rigoler. On va le soigner un peu et on va s'amuser. Ou je sais pas si ça. On va peut-être attendre la fin de la perte de sang extrême. Bon, une petite idée de ce que je vais faire. Hein. Quoique après, je crois qu'il y a un malus si j'attends trop. Alors, on va lui récolter un. Hein. On peut. Ah, il a plus qu'un seul poumon. Pardon. Je peux supprimer la langue, retirer un organe, jambe droite. On peut retirer des jambes, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah oui, mais c'est sa jambe bionique, on peut lui retirer en fait. Ah oui, on peut lui retirer la jambe bionique et la récupérer du coup. Ah ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Je crois qu'on a quelqu'un qui a un estomac qui a été démonté ou un poumon, là, je sais plus, il faudra voir. Oui, bah ça gêne, on savait, mais on a eu le temps de récolter 2-3 trucs quand même. Le problème, c'est qu'il y avait la bagarre, donc on n'a pas pu finir le champ. Le champ de foin. Et ça part vite, hein, on est déjà plus 80 300, hein, en peu de temps. Hein. Ouf, les bestioles, c'est tombé, hein. Voilà.
Alors c'est Prissy qui s'y colle, c'était peut-être pas la meilleure pour ça. Elle enchaîne sur la jambe. Toc. Perte de sang sévère. Wow, ça va, perte de sang sévère. Ah, il doit un poumon explosé si je peux pas récupérer l'eau, les deux. Poumon droit, perforation. Ah, parce qu'il y en a un qui est abîmé. Attends, c'est le poumon droit? C'est celui qu'on peut retirer ou pas? Non, c'est poumon gauche. On va retirer poumon gauche. Alors, tu peux faire du trafic comme ça d'organes et tout, leur vendre. Soit pour mettre sur tes gars, du coup. Soit pour retirer, pour soigner un de tes gars qui manque un truc. Allez hop, le poumon maintenant. Est-ce qu'on est gentil? Et on lui met une jambe en bois et on le relâche après. On peut faire ça, on peut lui mettre une jambe en bois, attends. On va pas le tuer. Ils vont faire la gueule, je crois, si on le tue. On punit juste de nous avoir attaqué, quoi. Pour montrer aux autres qu'il faut qu'ils arrêtent. Pas sûr que ça marche comme ça dans le jeu, c'est pas grave. Et du coup. Je sais même plus quelle jambe on les avait retirées. La jambe gauche. Ah, la jambe droite plutôt. Et on va bien mettre une jambe de bois à droite. On est gentil quand même. Et après on le relâche. Il survit à tout ça. Maladie, infection. Oh, c'est pas de bol, hein. Ils sont gentils de l'ont soigné quand même tout à l'heure. Hop. Allez. Libéré. Va vivre ta vie. Bon, dès qu'il sera sorti un peu du coltard. Bien, alors qui. Est-ce qu'on avait quelqu'un qui avait besoin d'un poumon? Alors. Un mouvement. Ribelle. Ah mais c'est son imago aussi. Alors c'est lui qui a un problème d'estomac, mais malheureusement, mon estomac on peut pas le récupérer. Enfin, je crois pas. Personne n'a besoin de ce qu'on lui a retiré, c'est pas de bol quand même, hein. Et vous, l'estomac, on peut ou pas? Non, on peut récupérer le foie. Mais pas l'estomac. On pourrait dire qu'il y a d'autres jambes. Est-ce qu'on peut greffer une jambe? Peut-être. Wow, autant mettre une prothèse. Ou un truc bionique maintenant. Non, on va le relâcher, c'est tout. On peut. Ça va aussi. Tu peux lui. D'administrer de la cam. Il peut le rendre drogué si tu veux. On l'a en plus. Je crois qu'on l'a un peu embrasé. On l'a vendra. On l'a déjà assez marché. Ah, ça y est, ça commence à récolter du diable beau. Impeccable. Alors, crise de boulimie. Ah ouais, ils sont pas contents qu'on apprenne les. Il a vu les cadavres, il est pas content, il est jaloux de la chambre de Sissi, ça vient toujours avec son jaloux. Et on a prélevé les organes sur quelqu'un, moins de 9. Il aimait pas parce que juste pour montrer. Bon lui c'est pas de bol parce qu'il a différents bonus déjà.
Oui, ça va s'arranger. Ok, l'hiver vient de commencer et on a 3500. Le foin. Mais pas grave, on voit tout le monde. Donc, peut-être pas les chiots quand même. Enfin, les chiots sont pas encore dressés, donc on peut. Bon, il reste encore les deux rhinocéros là à redresser. J'ai tout ça, un bon malade, moi. Ah, ils ont fait des bébés. Ah, j'avais pas prévu ça. Ouais, non, j'ai pas spécialement prévu de faire du bébé. Ah, par contre, ça, c'est un souci, parce que quand ils vont les tuer, ils vont exploser. Faut attendre le jour, faut faire ça. Ou alors, je les relâche, relâcher le bébé dans la nature, et à la limite, je relâche... je relâche la femelle. On va garder les deux mâles pour notre production de chimpule. Tombé dans le piège du coup. Alors, il y a de la pagaille, il y a du war, il y a encore du boubalapin. Le rataboum. Ah, il vient essayer de. Ça, c'est ceux qu'on a relâchés, je pense. Les deux qu'on a relâchés. Ils sont chopés les pièges directs. Et on a aussi les animaux là, l'hiver, qui essayent de venir bouffer. Alors, peut-être que maintenant que j'ai fermé, ils vont plus tenter de venir bouffer. La réserve de foin. Ça va bien. Peut-être essayer de gratter les cultures. Là, il y a le feu près du générateur. Ils vont essayer de. Peu de mal là sur la recherche. Bon après c'est une grosse recherche aussi. Hein. Alors Jimmer, on va appeler le marchand qui passe. Grossiste. Grossiste pour du bétail. On peut leur acheter des composants. On va faire ça. Moins 685. Je peux lui vendre du cuir de cochon, du cuir de dromadaire. Ah bah non, c'est l'inverse. Hop, hop, je peux lui vendre, ça m'étonne. Je peux lui vendre ça, un cuir fin, cuir de lézard, fourrure bleue, fourrure de loup, panthère, fourrure épaisse. Ah, la fourrure épaisse, c'est... Regardez ces trucs de... Oh, la fourrure épaisse, on garde. J'ai plus beaucoup de stock, il faudrait payer un machin. Et donc les organes, on peut la vendre après. Pantalon forcé, casque simple 51%, 53, 57. Tout ce qui est dégueulasse, abîmé, ça vire. On a trop de stock. 75, ça va encore. Normal, je sais pas, on peut vendre, je pense. Parka en cuir d'oiseau, mais c'est magnifique. Magnifique, ça. Je pense qu'on va vendre un peu de parka aussi. Manteau en cuir d'oiseau. Alors les manteaux c'est pas gênant. Par contre les parkas ça serait mieux que ça soit dans quelque chose d'intéressant qui tienne chaud. Et puis on a dit que les parkas on s'en sert pas au final. Parce que moi je les force à mettre les tenues donc je peux vendre tout ça en fait. Hein. 3900. Du coup peut-être acheter des trucs.
Le pantalon, je peux le garder. Mais tout ce qui est parka, manteau, finalement, on va plus trop s'en servir. Dans tout ça, ils ont du médoc, colorant, du plastacier. Limite, je vais prendre du plastacier. Ça coûte cher, un plastacier. Ça coûte très cher, mais on en a besoin pour les armures. Le fumigène, ouais, ça dégage. Le t-shirt. Je vais tout vendre en fait. Je vends tous les vêtements. Ils en feront. Les frappes, excès. Ouais, on fait ça. Alors, les sacs de couchage des gardes. Voilà, on va vider nos stocks avec ça. Tout ce qui est renforcé, on garde quand même. Trop cher. Bah, je pense qu'on est bien là. Il faut épais, je vais les garder. Cuir, bah, je vais m'en débarrasser. Garder le tissu. Que je pourrais garder. Sinon, c'est la laine de Mufalo. La laine d'alpaga. Voilà. Tout le reste, ça vient. Ouais. Hop! Et ça nettoie un peu les stocks. Alors, du coup, je vais reparamétrer ça parce qu'il y avait des. On a demandé des gros stocks. Mais on a pas besoin d'avoir. Juste qu'ils nous transforment un peu les matières premières de temps en temps. Le reste de la parka, dis donc. Elle devait pas être dans la zone de la balise. Elles sont là-haut. On va peut-être faire une deuxième balise quand même, finalement. Je mets par ici. La tape là dans les réserves là et peut-être un peu dans le frigo. Ouais, on va faire ça. On lance des boum à l'op. Hein. Mais ouais, tu me franchement tu me gonfles quoi, faut dire ce qui est. Moitié du temps ça se passe mal hein, dès que tu chasses. Et là t'as attiré tous les boomalopes d'un coup. Bon ça va, ils vont exploser hein, dans le piège hein, mais ils vont péter tous les pièges. Tac, bloom bloom. Et toi tu veux pas y aller aussi? Quel débile, qu'est-ce qu'ils font les débiles? Mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont cons? Un héros, lui, il est pas fait pour ça. Hein. Oula, il y a un beau petit bug là. Boum, allez. Ils ont pris cher ou pas? Ça va. Alors ça a été bien récupérer les corps avant que ça brûle. C'est de la viande. %82, 85, 86. On va bientôt avoir une récolte complète. C'est un peu sale la baraque là, j'ai l'impression les gars. Ah ça ils aiment pas quand c'est sale hein, par contre. Ça, ils aiment pas du tout.
On va rajouter du nettoyeur. Les gens qui font pas grand chose, la constructeur, geôlier, tu fais rien, va aider au transport et au nettoyage. Toi, pareil. Non, que ça soit propre. Hein. Ça, ils aiment pas du tout ça. C'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent péter les câbles aussi. Hein. Non, plus ça. Même si c'est dans la zone de bouffe, ça pose un autre problème, c'est que la bouffe va être contaminée. Et ils vont être malades après. Voilà, ce sera mieux. J'ai pas fini les statues, pour leur demander un peu la sculpture, moi. Je crois que j'avais pas mis dans les chambres encore, vu qu'ils arrivent pas à me sortir quelque chose d'un peu propre. Ils sont pas très bons l'artisanat. Le paga. Pourquoi pas du raton laveur? Il reste un boomalope qui a survécu. Il n'y a plus de fer, hein. Ah, mais ils ont... Ah, j'ai cru que vous avez pété mon truc. Anniversaire, hein. Vision verte a atteint l'âge biologique de 52 ans. Malheureusement, les maladies suivantes dues à l'âge ont été diagnostiquées. Lumbago. 52 ans? Tu exagères. Franchement. Ah, non plus, mais il y a vieux, 52 ans. Diablo. Oh, l'enculé, il bouffe les diablobos. Ah non, non, tu bouffes pas les diablobos, toi. Ah oui, ce qu'il est en zone, du coup, il est pas pareil. Il est pas pareil, non mais non, tu dégages là. Ah oui, non mais non, ah, bah non, non, c'est pas... ça met tellement de temps à pousser, c'est pas pour que tu me bouffes ça, toi. Vous allez bouffer d'abord ce que vous voulez, il y a du foin, mais non, ne bouffez pas ça. Pas me bouffer le diablo. Ouais. Là, je les avais pas retirés de la zone. La zone base, donc du coup, il n'y a pas la restriction. La zone base, elle me sert à faut que ce soit en protection pour s'il y a le feu, machin, tout ça. Okay, heureusement que j'ai vu, parce qu'il nous aurait pu nous bouffer tout le truc là. Ah, parce que si c'est une caravane, bon, bah, du coup on bouge pas pour le moment, on laisse finir leur nuit. Il y a beaucoup de bestiaux, donc il aura une capacité de transport quand même. Après, j'ai déjà bien vendu tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut leur refourguer à eux. Attends que Zimmer se réveille. Un gibber. Des grasses mat. On laisse faire son petit déj. Ouais, il regarde la télé, oui, bah tu regardes la télé plus tard. Alors, donc on peut le refouiller des animaux. Alors, j'ai deux bébés à la limite, je vais m'en débarrasser. Des bords et poulains aussi. Non, trop de bestioles. De toute façon, elles sont encore pleines de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à acheter? On peut très bien acheter de la viande si on veut. Des tissus, l'hyperfibre. Ouais, avec 35, on va pas aller très loin. La laine de mouton. Alors j'ai tout un tas de cuir encore à leur refourguer, mais ils ont pas de sous. Pas grand chose de très intéressant. À la limite, le tissu. On continue à faire nos pantalons. La viande, est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment.
Bah, du coup, leur refourguer quelques trucs. Fourrure dromadaire, fourrure bleue. 712. Peu de cuir. 845, quoi. Bah, ça ira comme ça. Le tissu, leur tissu, il est vert. Il est pas blanc comme nous. Vous nettoyez pas beaucoup, les gars, je trouve. Scanner sous terre acier. Putain, je trouve que de l'acier, toi. Toi, une fois de l'or, mais là, du temps, c'est de l'acier. Ouais, c'est dégueulasse, cette affaire-là. Après, c'est comme j'avais pas paramétré, les animaux, ils se baladaient à l'intérieur, donc ils ont tout cradé. Mais j'ai quand même demandé que j'en ai mis deux de plus, là. Niveau nettoyage, donc il va falloir bosser un peu, là, sur le nettoyage. C'est vraiment sale, sale, sale. Voilà, c'est bien. Ça nettoie, ça nettoie. C'est bien, tiens, c'est bien. Ça, c'est un bon gars, ça. Une vraie fédéologie. Le frigo, c'est une bonne idée. Frigo propre, c'est mieux. Ça le jeu aussi. Chambre de Velasquez, un petit peu sale. Il faudra songer à s'en occuper quand même. Mais ça va. Et la recherche, un seul poste de high-tech, c'est un peu long. Après, c'est des recherches à 6000 qu'on fait. Donc, c'est automatiquement un peu long quand même. Drôme psychique, bah, pas le choix. Hein. Faites mon chaud, Ruki, mais ça passe, il faut pas s'énerver trop. Pour augmenter un peu le chauffage, on sélectionne tous les chauffages, on rajoute plus 10. Parce que Diablo Beau, là, il fait un peu frais aussi. Enfin, en dessous de 0, ça pousse encore. Bon, il fait nuit, donc ça pousse pas, mais 10, c'est un peu juste, quand même, je pense. Je pense qu'on n'est peut-être pas forcément à 100% avec 10. Ouais, ce 100% là quand même. Ouais, ça va. Tant qu'on n'est pas en dessous de 0, on reste à 100% quand même. Ouais, dégage-toi. Touche pas mon diable beau. Hein. De Dieu. Ah oui, ça a été nettoyé. Impeccable. Ces œufs-là, du coup, c'est des œufs fécondés. Ah ouais. On va rien en faire, du coup. Les œufs fécondés, il faut pas les mettre en fait au frigo. C'est dans quoi? Ça doit être dans aliments crus, peut-être. Produits animaliers, fécondés. Ah, nouveaux amoureux, on va peut-être récupérer un lit. Axero, en parlant de sa propre identité, Rero a été attiré et devient l'amoureuse d'Axel. Axel et Rero veulent maintenant dormir ensemble, vous allez leur assigner un lit double. Bah, ils choisissent. Ils ont chacun un lit double, donc. Ils choisissent comme ils veulent, celui qui préfèrent, et puis c'est tout. Et là, du bimon à plat vache. L'N4, c'est bien. 89%. On va avoir une bonne grosse récolte. Ça va être nickel. Alors, petite statue horrible. Putain. On a un pistolet mitrailleur lourd normal.
Mieux que le pompe? Mieux peut-être que le pompe. Ouais. Pompe est bien, mais pas plus un médiocre. Médiocre. Le roi, là, on n'a pas d'artisan correct, donc on va systématiquement quasiment faire que des statues dégueulasses. La viande d'alpaga a pourri dans le stockage. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, hein. Il fait quand même moins 49 dans le stockage. Je peux. J'ai pas touché, parce que même j'ai pas de problème d'énergie, si on s'en fout de surconsommer l'énergie. Mais bon, de là à laisser à moins 49, peut-être pas quand même. Il y a toujours ce décalage de 1 degré, je sais pas pourquoi. Voilà, moins 10, moins 10. Ah, du jade, au moins t'as trouvé quelque chose d'un peu différent pour une fois. Du jade ici, et là-bas on a de l'or. Bon, le jade c'est surtout bien pour faire des statues, mais bon, vu la qualité des statues qu'ils nous font, c'est tellement une bonne idée. Excès de production, 475. Hein. Bon. On consomme pas mal hein, quand même en énergie. Faut très bien rajouter des panneaux solaires ou aller chercher un autre. Ouais. Aller chercher celui-là. Tac. On va le faire courir. J'ai quoi mieux là, puis on va courir là. Comme ça. Et il va falloir l'entourer. Des murs, comme on a fait avec l'autre. Mur. Arbre, tiens. Hop. Petite porte qui va bien. Et par contre, pas de zone de couverture. Zone à ciel ouvert. Hop. Qu'il y a des histoires de surchauffe. Là, il y a du pantalon renforcé. Est-ce qu'ils en ont tous équipé? Normalement, ils sont censés avec le paramétrage qu'on avait fait. Ouais, ça a l'air pas mal. Ils ont l'air de tous être plutôt bien équipés là. Ça me va. C'est bien. Maintenant, prochaine étape, ce sera les combinaisons de combat. Aurore polaire, une belle aurore illumine le ciel, les couleurs ondulantes stimuleront l'humeur de quiconque sera à l'extérieur pour profiter du spectacle et rendront la nuit plus lumineuse. Bah, allez regarder un peu le ciel, les copains. Gros, ils sont encore pas contents parce qu'on a retiré quelques organes. Allez, plus 14 quand même. La limite, il fait tout sortir vite fait, même si c'est la nuit. Bon, les 5 h du matin, ils vont profiter le matin, non? Donc ça sera peut-être fini. Alors, c'est fini. En plus, pas rester en pleine nuit, c'était un peu tard pour la veiller. Un corps du jade, décidément. Vous pouvez pas trouver du plastacier, par exemple. Salut Jo! Comment va? Plastacier ou de l'uranium, ça serait pas mal quoi. Même l'uranium, parce que l'uranium, j'en ai pas trouvé encore du tout. Plastacier, j'ai pu en acheter un peu, même ça, pas très bien. Pas loin. Bon, ouais, ça va, écoute, ça va bien, ça se passe pas trop mal. On a eu quelques petits raids, ça s'est très bien passé. On avait fait un prisonnier, on a récolté ses organes. Si j'ai comme jamais, on a des copains qui ont besoin d'organes. Petit truc. On a une attaque de mecha, ça va, on a géré gentiment. Là, c'est l'hiver, on a encore un peu de bouffe. Décembre, janvier, c'est pas trop. Bientôt printemps, on va dire. Ouais.
Les chevaux. Il y a souvent des chevaux hein, sur la carte. On a ce qu'il faut, nous, mais il y en a souvent. Ouais, c'est en train de finir ça. Il faut qu'il ramène les composants. Il nous reste encore des blocs. Ouais, c'est bon. Ça me fera un générateur en plus. Puis on sera tranquille avec ça. Alors, ils se sont trouvés un lit tous les deux ou... Faut attendre voir qu'ils se couchent, voir si... Pour le moment, il craft. Il fait des obus. Ben voilà, ils se sont trouvés un lit ensemble. Ils sont contents. Ben voilà. Chambre descente, prisonnier libéré. Et on l'a prélevé des organes, mais comment on l'a libéré? Ben, on a quand même récupéré deux petits points de satisfaction. Depuis que ça fait que moins 7, du coup. Encore sale, hein, les gars, faut nettoyer. Hein. Ouais, t'as des wars qui viennent bouffer, donc forcément, ils savent ça. Cette zone-là est forcément un peu crade. Ah bah toujours en même temps, vraiment. Bah écoute, on profite bien. Hein. Ouais, ça avance la recherche, mais c'est loin. Il y a le lave qui bug par moment. C'est marrant parce que moi, quand je regarde, j'ai pas de perte hein, sur Streamlab. J'ai zéro image perdue. On va regarder sur le retour Streamlab, ça va. Je vais regarder sur le retour Twitch. Oh, ça peut arriver. Hein. J'ai pas forcément une super qualité de stream. Ouais, limite peut-être refresh la page. Alors le diable beau est en train de rentrer. Là c'est nickel. Mais non, on n'en veut plus les ânes, on en avait plein, on les a bouffés. Bon voilà, bouffer de l'âne, hein, c'est tout. Hein. Elle bouffe de trop, elle a besoin de faire gaffe à la bouffe pour les animaux. Pas grave, hein, on va faire un abattage. Hein. Toc, toc, on évite de se tromper. Boss. Oh, il y en a 4 en plus. Peut-être qu'ils vont se bouffer les pièges, du coup, on verra bien s'ils veulent rentrer dans la base. On avait encore un autre là que je pourrais utiliser au besoin. Pourquoi c'est en allumé? Ah! C'était pas en allumé. On n'a pas dû y toucher. J'ai cru qu'il y avait eu un ordre qui s'était mis. C'est pas grave. 19 colons. Ah ouais, je suis jamais monté si loin, je crois, en colons. Après, c'est pénible, si tu veux tous les faire partir, t'as intérêt à faire un gros vaisseau. Je sais plus jusqu'à combien je suis monté, très honnêtement. Là, j'essaye de pas forcément recruter plus, parce que après, c'est les vaisseaux. Et en plus, plus t'as de colons, plus les attaques vont être grosses. Après, ça dépend ce que tu veux faire dans ta partie, quoi.
Mais les îles de Colomb, ouais, ça commence à faire du monde, hein. Faut les nourrir, tout ça. Puis ça fait des gros raids, si Canary arrive. Là, tu fais pas la fin, tu fais pas le vaisseau. Ouais, c'est pas indispensable, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois, j'imagine, donc. Ah, infestation, on n'avait pas eu encore ça. Ah, directement ici. Ah ouais, alors, si, bouge. Bouge, bouge, bouge. Mobilisons-nous. Hop. Toc. Envoyons les animaux. Pas de la viande. Ah bah, de toute façon, le jeu, plus t'es nombreux et plus tes colons sont bien équipés, plus les raids sont difficiles. Donc à la limite, tu veux être tranquille en fin de partie quand tu fais ton vaisseau. Des fois, le mieux, c'est de pas trop bien équiper tes gars. Parce qu'au moins, les raids seront un peu moins durs, normalement. Dès que tu commences à les équiper avec des armures commando, tout ça. Bah les raids deviennent vraiment costauds. Hop. Non, on chasse tout ça. Hein. Ah ouais, bah à la fin, c'est ça. Hein. Si t'es bien équipé, tu tapes du mécanoïde sur mécanoïde. Ils vont t'arriver directement en plein milieu de la base, en général. Alors j'ai déjà réussi à apprivoiser les petits là. Mais j'ai jamais réussi à les faire se reproduire. Je sais pas si maintenant on peut ou pas. J'ai déjà réussi à avoir un couple, mais c'est jamais passé. Une mort de warg, bah ouais, mais bon, on a plein de wargs, donc c'est pas grave. Pourquoi on est ralenti là? C'est tout. Peut-être parce qu'il y en a qui s'étaient relevés, peut-être. Et avant, ils aimaient bien la bouffe de Trichogem. C'était comme du chocolat pour eux, mais maintenant, par exemple, ils ont retiré ça. J'ai l'impression. Ouais, c'était d'ailleurs bizarre. La Diablo Ball, on a combien là? 233. Pas mal déjà. Encore là. Il faut qu'ils finissent de nous construire ça. Encore un loup, on va le laisser pour loup. Vendre avant un. Ah, j'aime pas les quêtes de vente. 6 fusils d'assaut de qualité normale. Ouais, je vais me faire chier à faire 6 fusils d'assaut, ça coûte une fortune à faire. Le mec, ah, c'est deux mecs sérum guérisseur quand même et du plastacier. Moi, bon, j'en ai un mec sur ça. Paf, émanateur psychique, c'est quoi? Ça fait quoi ça? Une onde psychique apaisante autour de lui, la meilleure humeur de n'importe qui présente dans son rayon d'action, et ce, même à travers les murs. Mais ça dure combien de temps aussi? Est-ce qu'il y a une durée? Pas sûr qu'il y a une durée sur ça. Ah, il faut faire les 6 fusils d'assaut, ils mettent 3 plombs pour faire un fusil. J'ai cru que c'était le chien, non, c'est chien qui est pourchassé par la louve. Vraiment?
te disait rien et finalement je décide pas de taper et finalement tu viens. Et toi, t'es vraiment un manche, hein. Je te donne un fusil de précision, tu trouves le moyen de tirer sans arrêt à côté. Ouais, bah c'est pas beaucoup mieux les fusils à impulsion. Hein. Ah, je te jure, il est mauvais en chasse, mais c'est terrible. Il va se faire démonter ce con. Il vraiment. Hein. Allez, dépêche-toi de rentrer. Et pouf! Oh, il a passé. Oh la vache, comment il a réussi à passer tous les pièges quasiment. C'est bête. Bon, bah, on va manger du loup ce soir. Non, mais c'est tout. Ça y est, c'est fini. Du coup, là, on a combien? On a zéro en excès, tu plaisantes, je viens de rajouter un générateur, il est pas raccordé là. C'est pas possible, ah, ils ont pas fini la bague. Ça peut pas être à zéro. Hein. On a plus de fer, si on a du fer. Ah, ils peuvent pas accéder. Ils peuvent pas accéder là pour construire, je vais devoir casser un bout. Cette muraille. Hein. Ah, triple muraille, ça fait trop, hein. Ah, ouais. Ah, ouais. Temporairement, on va casser les deux bouts, histoire qu'ils nous construisent le truc. Et après, on les remettra. Et là, évidemment, c'est là qu'il va y avoir un raid, ils vont arriver juste ici. C'est pas drôle sinon. Du coup, ici, on peut remettre. On a su à combien là? Et il y bouffe les. Ah non, parce qu'il y a un lot de 25 en dessous, flipper. Bon, on est pas mal. C'est une nouvelle tourelle là que j'ai pas fait. On les a débloqués les nouvelles tourelles. Alors ça c'est nouveau les tourelles de précision. Il y avait les auto-canons, ça effectivement je connais. Mais les tourelles de précision, c'est nouveau, il faut du uranium par contre. Ça c'est un nouveau truc. Je vais mettre une auto-tourelle quand même du coup ici juste en face là. Comme ça s'il y en a qui se font sniper de là. Et je vais faire la même ici. Attends, c'est ça là, c'est la portée. Attends. Non, c'est ça, c'est pas ce que je pensais. Mais c'est l'inverse du coup. L'inverse, il faut que ce soit dans la portée comme ça. Du coup, là ça passe. Ouais, c'est ça. Du coup, là, attends, je vais l'annuler. Dupliquer. Tac, 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 tac. Là, ce sera... Ouais, ça ira. Capsule de cargo. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? La cam. Ouais. On la vendra. Hein. Est-ce que tu vas tenter de passer? Non. On
on a refait un peu de fer. Ça dit quoi ici? Ici, il en reste encore un petit peu. On peut finir ces carrés-là. Armure de reconnaissance. Ok, alors, mais moi, c'est pas l'armure de reconnaissance que je veux, c'est l'armure de commando. C'est reparti pour 6000 points à faire. Hein. Et donc on joue, on a 4000. Donc 4000, c'est l'excès de production. Donc on est bien, on a quasiment un générateur en géothermique en excès de production. Donc c'est pas mal. Ça laisse de quoi crafter quelques trucs. Là, on a la nouvelle tourelle. Est-ce qu'il faut changer le canon sur celui-là? Celui-là aussi, il faut changer le canon. Ça, c'est pénible, l'histoire de changer de canon maintenant. Surtout que tu peux pas les crafter. Bon, là, au moins, c'est 90 tirs, c'est mieux que les mortiers. C'est un peu pénible. Pas qu'on fasse le truc à lance-missile, là, mais j'imagine qu'il va encore avoir des canons à changer aussi sur le lance-missile. C'est pas drôle, sinon. Tu peux fabriquer les obus, mais tu peux pas fabriquer le canon parce que c'est un truc industriel, apparemment, je sais pas quoi. Et finalement, j'ai un peu d'uranium, je sais pas d'où je le sors, mais j'en ai un petit peu. Il y a un endroit où j'ai creusé où il y en avait, je m'en suis pas rendu compte. Pas, je l'aurais vu quand même. Hein. Peut-être plutôt récupérer en démontant quelque chose, je ne sais pas. Il faut du plastacier, un composant avancé. Mais bon, je préfère l'armure de commando quand même. Vite à crafter, utiliser du plastacier, machin, les composants avancés, autant faire du commando. Donc là, il reste quasiment tout récolté déjà en Diable d'eau, c'est pas mal. 450. Ça serait pas mal du coup de mettre peut-être revoir encore le paramétrage là pour les t-shirts et les pantalons. Pas de cuir. La laine c'est pas mal quand même, mais bon, alors on va virer la laine, je pense. Je l'avais dit déjà tout à l'heure le cuir, mais ça va pas garder. C'est peut-être sur les manteaux que j'ai dit. À la limite, on les fait juste maintenant pour les vendre. Ça nous fait un petit truc en plus, quoi. On est bien en bouffe, il y a ce qu'il faut, mais voilà. Un peu. Ah, c'est de la viande OGM, tout ça. On est bien. On est bien. De toute façon, maintenant, faut. C'est du craft, c'est des techniques à rechercher.
Pas grand chose d'autre à faire. Suis pas sûr que le cacao on arrive à en avoir ici. Les arbres ont carrément disparu. J'ai testé, j'avais jamais testé, mais je pense pas que le biome soit bon. Diable bois pourri, tu te fous de ma gueule. Comment ça, il est pourri? Ah oui, il a pourri parce qu'il est pas. C'est celui qui est pas dans la zone de lampe. Donc c'est normal. On va retirer le carré là. Mais bon, on laisse comme ça, c'est pas très grave. Et nous ont écoulé tout le foin quasiment. Ah, j'ai beau réduire les animaux hein, avant l'hiver. Qu'est-ce que ça bouge? J'ai l'impression qu'ils bouffent plus qu'avant les animaux. Hein. On avait quand même plus de 4000 foins et ça part à une vitesse. Pas souvenir qu'avant ils bouffaient tant que ça les trucs. Et j'en fais un deuxième. Le problème, c'est que ça coûte cher, les tablis, hein, high-tech. Ah, petit. Oh, un siège. On n'a pas eu encore de siège sur cette partie. J'ai fait les mortiers juste pour ça à la base. Hein. Alors, on peut mettre trois personnes. On va mettre Ribel, même si. Oui, bon, tiens. Et Velasquez, il est bon en tir. Et on va mettre Chien. Qui n'est pas bon en tir, mais bon, ça ferait un troisième mortier quand même. On va attendre qu'ils posent leur camp. Oh, ils ont déjà commencé à tirer. J'aurais rien dit, ils tirent déjà. Je faisais pas ça avant. Avant, ils attendaient qu'on donne la cible, non? Oh, ils font déjà un massacre. Ils ont pas reçu leur. Ah, si, alors, ça y est. D'habitude, moi, je me contente de péter les mortiers, tu vas être au milieu entre les deux. Voilà, pour les obliger à attaquer comme ça. Est-ce que je les estire un peu ou... Oh bah, ils sont déjà démobilisés, voilà ça. Je pense qu'ils vont tous venir d'en haut. Certains animaux, je les repasse. J'avais passé tout le monde en zone base. On évitait qu'ils aillent se balader et se faire tuer encore n'importe où. Tiens, on va en profiter pour remettre des paramétrages. Toi, tu iras pas plus loin. Et c'est quoi son sac là? C'est quoi sa tenue? J'ai l'impression qu'il est. Ah, et pas de fumigène, c'est ça qu'il avait sur le dos. Ils sont. Il y a du matos là, quand même. Ils se mettent même pas en position de tir, les autres, c'est formidable. Ah mais les autres ils vivent leur vie en fait encore là. Alors, les animaux tanks c'est pas... Voilà putain. Et les animaux sont là, ils sont là pour tanker donc... Après, la tourelle est-ce qu'elle lui tire dessus ou pas la tourelle? Contusion, fusil d'assaut. Ça me va. Il nous pète du mur là.
C'est pas grave, ça tank. Ils sont là pour là, pour ça, les animaux, hein, donc. Ah, il tank avec son petit bouclier, lui. Hein. Pas assez. Mort jeune, ouais, c'est pas très grave. C'est bon, les gars. Repos. Repos, repos. Inspection des troupes, 22 h. Faut que ça te soit à faire soigner. Ça va. Si, si, il n'y avait pas un mec qui prisonnier là. La capture là. Tiens. T'as pas un autre que tu peux capturer ou c'est nos animaux là qui queen? Capturer celui-là là. Et là, après, c'est les animaux, c'est ce qu'il y a des gars, je ne sais pas. Perdu un jeu noir, rien de dramatique. Il y a le feu? Comment ça, il y a le feu? Ouais, non, il n'y a pas le feu. Ah, si, il y a le feu. Ok. Ah, ben non, non, viens éteindre le feu, s'il te plaît. Pas de chemin d'accès. Ah, c'est embêtant. C'est très embêtant. Bon, on verra, c'est pas grave. On va péter un mur. Pas de composants, on aime bien. Oh, l'impact qu'il y a dû avoir, hein, c'est les obus. Il peut pas pleuvoir un coup là? Non, il peut pas pleuvoir un coup. Démolir. Ils sont partis se coucher. Il a été soigné. Il est soigné. Il n'est pas soigné. Ribelle, tu fais quoi? Tu soignes les animaux. Chien, tu veux pas soigner. Non, tu fais pas de soins, toi. Ah, si, si, qui soigne. Non, c'était l'autre qui fait le soigner. Je sais pas pourquoi il y a le feu sur ce truc-là. Bon, bah c'est pas rare, on est bon pour le reconstruire du coup. C'est le rhino là qui commate ou c'est un prisonnier récupéré? Il est soigné le rhino. Ils sont calés les deux, ouais, je m'en suis pas trop préoccupé, donc bon finalement ils sont bons. La belle-mère de Colon Ribelle. Ah, il y a un groupe qui arrive. Okay. Il y a du fusil d'assaut, mon poteau. Ah, Ribelle pète un câble. Pourquoi tu pètes un câble? Blessure par revolver. Mal nourri. Oh, tout ça, ce qu'on l'a mobilisé 5 minutes, il est pas content. Pas maître Dinga. Viens de voir des cadavres. Putain, il t'en arrive des misères dans la vie. Hein. Et c'est Inga, c'est qui? Ah, écoute, si maintenant t'es capable de supporter un warg, moi je te donne des wargs. Hein. Non, c'est juste Inga. C'est. Ok, c'est pas grave. Ça peut te rendre heureux dans ta vie là, de te mettre d'un warg. Du coup, ils déterrent les cadavres, j'aime beaucoup quand ils font ça. Chien. Va me renterrer le cadavre, s'il te plaît, avant que les autres pètent un câble. JMR est un peu blessé, du coup on m'a envoyé Bidurou faire du commerce avec la belle maman de machin. Elle est encore là, la belle maman? Ils sont déjà repartis. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont déjà repartis.
C'est pas grave. C'est un bon gros raid ça quand même, hein. Vous voulez pas prioriser l'enfouissement des cadavres, hein, vu que ça fait péter un câble à tout le monde, et puis après vous construire, on n'est pas à 2 minutes près. Et qu'il y en a au moins un qui se consacre à ça. Pour retirer le malus. Le couloir, bon, ça gêne pour tirer, mais du coup, il n'y en a pas 50 qui arrivent en même temps. On pourrait peut-être faire une sorte d'entonnoir, je sais pas. C'est vraiment indispensable. Les fusils d'assaut, ce serait peut-être une bonne idée de les rentrer, non? Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est du biocodé. Celui-là, c'est pas du biocodé, tu peux le prendre, celui-là. Capsule de sauvetage. Julie. Limite, t'allais essayer de récupérer Julie. Si on arrive à temps, 5 heures. Vraiment, ils sont tellement abîmés que c'est compliqué de les sauver. Trois heures. Tant qu'on la pose dans le pieu, à mon avis, ça pue du cul. Une heure. Ça va être juste. Ça remonte un peu. Ça devrait aller. Et c'est quelle faction les ours sont? Les ours sont, c'est des gros méchants, ça. Donc de toute façon, je veux pas de nouveaux membres, à moins qu'elles soient exceptionnelles. Construction, cuisine, animaux. Indolente, incapable de travail intellectuel. On va libérer. Les ours machins, de toute façon, on partie de ceux avec qui on peut rien faire, non? Ouais, bah, hostile de chez hostile. On va pas reprendre des organes, ils vont encore faire la tronche. Et si on le tue, si on tue un prisonnier, ils aiment pas non plus. Ah oui. Ok, je vais remettre. J'oublie à chaque fois. Et du coup, l'autre, tu vois, il a encore les bouffées du diable vaut. Lui, systématiquement, il va en bouffer. C'est direct. Un petit pantalon. Attends, on va faire un truc. On va faire un truc. Déshabille-le. On va piquer ses vêtements. Hop. Porter. Et on l'expulse. Gentil, on l'a déjà soigné. Hop. Là, il peut mourir, mais au moins ça sera pas à nous, il n'y aura pas de malus. Donc on a tué un prisonnier. Alors, toi, t'as un pistolet mitrailleur lourd. Fusil d'assaut, fusil d'assaut, assaut. Ça, c'est un contact, un cac.
Hop, non, sinon c'est pas tant attaque que ça. On va prendre la fusil d'épaule. J'ai mis du coup ça. Il est bien codé celui-là, donc ça ne servira pas. Il est où l'autre qui est pas bien codé? Il est là-haut. Ah, la carabine, non. Le fusil d'assaut. Petit trailleur lourd. Et lui, on pourrait peut-être lui mettre un pompe auto s'il y en a un qui n'est pas bien codé. Mais tiens, automatique normal. Et celui-là, norme, celui-là est bien codé. Ok. Un mariage est prévu, mais c'est formidable entre Axel et Riro. Ah, mais ils sont là-haut carrément, c'est pratique, hein. Pour faire du business, aller au bout du monde, c'est pratique. Les mecs, ils ne rentrent même plus à l'intérieur, ils n'osent pas passer nos défenses. Alors, des composants. Hein, peut-être toujours prendre quelques composants. On a claqué pas mal de médocs, hein, mais j'en achète. Je peux en crafter, mais je peux en acheter aussi. On a des sous. Ah, on n'a plus qu'un canon parce qu'on a dû en casser, donc ils ont réparé. On va acheter un. Même le. Le refourguer tout un tas des armes qu'on vient de récupérer. Lance-flamme, lanceur IM, j'en ai un. Fusil à pompe. Carabine de survie, je vais garder. Pistolet mitrailleur, fusil à pompe. Pistolet mitrailleur. Les arcs revolver. Les grenades à fragmentation. Alors. Les sculptures dégueulasses. D'ailleurs, on en fait une bien pour une fois. Les parkas, on a dit qu'on les utilisait pas, donc autant vendre. Toc. Pantalon, t-shirt, ça on garde. Il y a moins qu'il y a un truc vraiment dégueulasse. Truc en cuir. On vient. Ah, du coup c'est trop. Du coup c'est trop, c'est trop. On leur prend un canon en plus. On prend tous ces canons, puis c'est tout. T-shirt, reine de Mufalo, alpaga, manteau tissu, sa vie. Manteau tissu, sa vie. Manteau cuir aussi. Ça ira comme ça. Très bien. On a plein de textiles de toute façon. Donc là, il y en a une qui est pas trop mal, qu'on peut peut-être installer du coup, normal. Installer tout ici, micelle en jade. On va l'installer ici. Ils sont deux, ils sont contents. Il a décédé ou il a réussi à se sauver l'autre? Bon. Pour le moment, ça tanque. C'est pas mal. Avec les animaux, tout ça, on va s'en sortir. Tu replantes en décembre, janvier, toi. Petit coup de gel et ça sera fini. Hein. Bon, après, ça t'entraîne, mais. Bon. Est-ce seulement bien productif? Pousse d'ambroisie, pareil, ça va pas trop pousser correctement. Plein hiver, un peu bizarre. Ok, donc là où ça a été réparé. Ici, je peux remettre. Hop.
Et là, c'est comme tout à l'heure, ils veulent pas ranger dans celui-là, puis peut-être qu'un mousse décideront. Peut-être augmenter en mer rajoutée. Ah là, ça va pas le faire ici. Là. Non, mais celui-là va pas le faire. Bon, après, déjà, tout ça sera déjà bien quand même. En mettre un là. Bref, on verra. Ah, les arbres, les wargs et les rhinos, ça sert vachement bien quand même. Ça carie. Les éléphants aussi, je crois. Bon, on n'a pas dans cette zone-là, mais les éléphants, je crois que c'est pas mal aussi. Ok, c'est le printemps, avril-mai. On est quoi? Presque à la moitié de la recherche pour les armures commando. Eh bien écoutez, on va rester là pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté au stream, merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!